À l'origine, donc en 1909, quand ça a ouvert, c'était un cinéma qui se spécialisait dans les informations. Et en fait, il y avait tout au long de la journée la même boucle qui tournait et donc qui diffusait les infos locales, nationales. Et les gens, en fait, rentraient, sortaient un peu. Il n'y avait pas vraiment besoin de s'asseoir pour la séance puisque c'était en boucle. Donc au final, ils rentraient, sortaient comme ils voulaient, juste 5 minutes ou 10 minutes pour pouvoir s'informer un peu sur ce qui se passait dans leur ville et aux alentours. Et c'était vraiment au départ un cinéma comme ça, avec à côté, pour les autres, les spectateurs un peu plus jeunes, tout ce qui était dessin animé avec accompagnement musical. Mais voilà, c'était avant qu'il y ait des films ici, il a dû se passer un bon nombre d'années avant que ce soit vraiment un cinéma. C'était plus un lieu d'information au final. Le problème qu'il y a eu principalement, c'est de toute manière l'industrie du cinéma au début des années 2000 a fait un flop monumental avec l'émergence d'Internet. Tout d'un coup, il était beaucoup plus facile de télécharger, de pirater, de reproduire. Donc les gens ne sortaient plus et c'est vrai qu'il a, je vais dire le mot tel qu'ils sont, il a énormément galéré et aussi bien que pour le patron à l'époque, il était plus facile de mettre la clé sous la porte que de continuer à essayer de sauver le cinéma comme il était, donc c'est pour ça qu'il avait dû fermer. À cette époque-là, le cinéma était tenu donc, par une grosse boîte, mais qui s'intéressait peu au final au cinéma. Il y avait justement un manager qui avait absolument un énorme poids sur les épaules à faire tourner la machine, à pouvoir tout gérer. Et aussi, l'autre chose qui faisait une grande différence, c'est qu'il n'y avait qu'une seule salle, donc forcément un seul film. Ça ferme un peu les possibilités. Ici, avec deux écrans, on s'en tire assez bien puisqu'on peut alterner, avoir soit deux films, soit un événement dans une des salles et dans une autre salle avoir un film en projection de toute manière, donc on arrive toujours à tabler sur deux espaces différents et c'est pour ça que ça permet l'expansion du cinéma. Malheureusement, quand il l'a repris en 2004, la façade était magnifique, c'était des toutes petites mosaïques rouges, mais elles étaient dans un tel état, au début il pensait les garder, mais dans un tel état qu'il a fallu donc tout refaire la surface, ce qui a fait grand scandale, mais bon, malheureusement, quand il faut refaire, il faut refaire. Je pense que les gens, surtout les gens qui sont un peu plus anciens, on a beaucoup de clients qui viennent ici, qui nous disent « Ah, je venais quand j'étais petite avec mes parents » ou des choses comme ça. Et donc c'est vrai qu'on a quand même beaucoup de clients qui sont vraiment attachés au lieu et qui viennent voir des films sans vraiment savoir si le film va leur plaire, mais juste parce que ça leur plonge de venir passer un moment ici au final. Southside, où on est actuellement, c'est un petit peu comme Dick Beth qui est collé juste à côté. C'est deux quartiers qui sont très proches du centre-ville, mais qui en même temps sont juste à la limite où c'est énormément d'hangars, c'était des anciennes usines, c'est des endroits qui ont beaucoup été laissés à l'abandon. Là, en fait, on a une nouvelle gare, donc la gare de New Street, qui est en train d'être redéveloppée. Grâce à ça, il y a beaucoup de nouveaux magasins qui sont en train de s'installer à droite à gauche, et ce qui permet en fait de rendre l'espace un peu plus vivant, un peu plus moderne. Et du coup, il y a de plus en plus de viviers d'artistes, de choses comme ça, ou de gens qui ont une idée assez unique, qui s'installent par ici parce qu'il y a énormément d'espace et au final les loyers sont pas trop chers et c'est très proche du centre-ville. L'autre chose, c'est que aussi, donc Southside, c'est Chinatown à Birmingham. Ça a commencé dans les années 50-60 et avec l'implantation d'un des restos principaux du quartier donc chinois. Et en fait, par son implantation, tous les autres ont commencé à pulluler autour et au final, on se retrouve maintenant avec un chouette quartier bien axé sur toute la culture chinoise. Nous, en tant que restaurant, on a fait une grande soirée avec eux. Ils ont fait voir Amélie Poulain là-bas. Et après, il y a tout le cinéma qui sont venus ici dans le restaurant pour manger. Et on a fait ça deux fois, juste pour une connexion avec eux. Et c'était très bien parce qu'il y avait tout le monde dans un restaurant français. Et aussi, voir un film français aussi. C'est juste plus confortable et c'est assez chic et assez différent aussi parce que maintenant c'est très cher d'aller au cinéma n'importe où. Le UGC et le Odeon et tous les grandes chaînes sont assez chers quand même et vaut mieux dépenser un peu plus d'argent et asseoir sur un canapé et c'est très confortable et vous avez tous les boissons aussi. C'est juste un peu différent et si je vais avec mon copain, c'est assez romantique.